YOLO! Aujourd'hui, on est sur le chemin de Trolltunga. Il est 1h15, donc on est lundi. Et Trolltunga, c'est un endroit où il y a le rocher du Roi Lion, de la scène mythique du Roi Lion. Je sais pas si vous voyez, avec ce grand rocher tout allongé. Donc on va aller voir ça demain normalement. Donc ce soir, on va rejoindre la ville de Trolltunga. Et donc on est sur le chemin, on doit prendre 3 bus différents, on vient de prendre le premier bus, là on attend le deuxième. Et on voit des paysages magnifiques, on passe d'île en île, c'est des paysages à moitié montagneux, à moitié la mer, c'est vraiment super beau. Et voilà, cette journée, donc ça va être une journée vraiment très transport, un peu chiante, mais au moins on se repose. Et demain ça va être une longue randonnée je pense. Arrivé à Ouda, ouais! Ouda, c'est une petite ville en bas des fjords. C'est un fjord? Est-ce qu'on peut considérer ça comme un fjord? Ouais, voilà. Et donc la vue est plutôt pas mal. C'est tellement chaud dans cette ville que je me suis mis pieds nus. Et du coup, là, on est dans le sport et je suis resté pieds nus en fait. Ils sont restés dans les années 90. Selon Robin, on est à 3 mètres d'altitude, ce qui veut dire que ce qu'on voit là, c'est la mer. Et donc que l'eau est salée. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Faut goûter. Et si c'était vraiment la mer, il y aurait des marées et du coup. De la bonne eau, bah oui, il y a des marées, regarde. Si il y a vraiment des marées. Regardez-moi ça. Ah ouais, à l'odeur c'est de mer. Hein? À l'odeur c'est de mer. Oui, et il y a le goût. J'ai goûté. Merci. Je rapproche, ça sent le mer, mais il ouais, je le sens. Bon, on va dire que c'est la mer. Yo tout le monde, c'est Squeezie! Sérieux?